Sache qu'aujourd'hui, c'est le dernier repas ici à la maison. C'est terminé, c'est le dernier repas. Après le repas, ce sera à Dubaï pour toujours. Vous allez aller à Dubaï ? Oui. Okay. T'es contente ? Oui. Oh, d'abord, on mange et après, on va à Dubaï, je dirais. Oui. Je suis choquée, les filles. Je suis choquée. Il n'y a rien mal, je suis choquée. C'est ça, moi je suis avec mes enfants, je déménage à l'autre bout du monde avec mes deux enfants, les filles. Je me sais pas. Hey, je... Sors ça, ma vie. Eh, hey, c'est quoi? Allah est grand. C'est quoi? Je voulais faire à l'amiable. Je voulais être gentille. Je voulais faire tout bien. T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là? T'as vu ce que je suis en train de vivre? Au nom d'Allah, tu vas le payer. Retiens bien ça. Regarde-moi bien. Au nom d'Allah, tu vas le payer. C'est bon? Je suis choquée. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Par Allah, j'arrive pas à m'en remettre. Eh, mais c'est le plus gros. Ah, vas-y, tu sais quoi? Ouah, c'est une dinguerie. Ouah, c'est une dinguerie, les filles. Ouah, les filles, c'est une dinguerie. Oh, le Coran, c'est une dinguerie. Je suis choquée. Attendez, je me calme. Waouh. Non, oh, j'arrive pas à m'en remettre. Non. Allez voir la vidéo sur Twitter. Et mais je suis, par là, je suis brisée, je suis choquée. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? Comment j'ai porté deux enfants? J'ai donné. Là, aujourd'hui ton vrai visage va sortir. Par Allah le tout puissant. Aujourd'hui tout ce que tu m'as fait, tout le monde va le savoir, c'est bon ou pas? Aujourd'hui c'est la fin. Alors là, vous voulez qu'on donne les termes, mais peut-être je vais regretter cette story. Mais vous savez quoi, je m'en fous. Ce mec là, je lui ai donné ma virginité. Par Allah mes poupettes, on s'est mariés, j'étais vierge. Par Allah, aucun mec m'avait touché. Je lui ai donné ma virginité, j'ai pleuré, je lui ai tout donné. Je lui ai donné ma personne, je lui ai donné mes enfants, je lui ai donné ma confiance, je lui ai tout donné. On s'est séparé il y a une semaine, il va à Barcelone, je suis pas au courant, avec ses potes. Et là, allez voir la vidéo. Par Allah, c'est terminé. Écoutez, hein, je vous l'attends, vous savez quoi? Je vais quand même attendre les 3 mois parce que moi je me respecte, je suis une fille très propre. Je suis une fille propre, je vais attendre les 3 mois. Mais 3 mois, je vais pas me gêner. Par là, j'y arrivais. Mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Mets-moi un mec qui m'honore et qui me respecte. J'ai 23 ans. Mets-moi quelqu'un qui change ma vie. Mets-moi un coup de foudre sur mon chemin. Je fais le hled, je me marie direct. Fin. Honte à toi, honte à toi. C'est quoi, mais peut-être, je vais même pas. Vous savez, regardez, j'ai même plus de voix. J'ai mon vol demain. Écoutez, je vais même pas me rabaisser à ça. Je sais qui je suis. Et par là, je sais que je suis une meuf mortelle. Quoi qu'on dise, on me voit comme ça. On me voit pas coiffée. On me voit dans tous mes états, maman et tout. Et je sais ce que je vaux. Je connais ma personne. Je connais mon intérieur, je connais ma personnalité. Par Allah, ce n'est que petite partie remise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour arrivera. Un jour arrivera. Je prends mon avion demain. Oui. On verra. La dinguerie, je réalise là. Là, mes poupettes, je suis désolée de la vulgarité. Mais sur le Coran, ce que je ressens au fond de moi, et quand tu donnes tout à un mec, sur le Coran, il y a des mecs, avant que je me marie, des mecs qui ont compté pour moi. Mon ex, je suis restée 3 ans avec, il a trop compté pour moi. C'était vraiment quelqu'un d'important, je l'ai quitté pour lui, pour ce vieux clochard. Juste avant mon mariage, il m'a dit, réfléchis bien, t'es sûre que tu veux te marier avec? J'ai dit, ouais, je suis partie.
Je me suis mariée, j'ai donné ma virginité, j'ai donné ma personne, j'ai tout donné, frère. J'étais une bombe, je suis devenue un rat d'égout, frère. Mes poupettes, vous en pensez quoi? Je les mets par la fenêtre tout de suite ou j'attends de les jeter sur la plage de Dubaï? Je sais pas, je suis en hésitation là. Je suis totalement perdue. À moins que je vous les offre. Hein. Celle-là, c'est une bague à 5 000 euros, il me semble. Celle-là, elle a fait 1 000 euros. Celle-là, elle a fait 1 000 euros. Je peux les donner si vous voulez. Je me suis calmée. J'ai réagi à chaud, mais je vais pas supprimer ma story. Parce que le mal que j'ai ressenti à ce moment-là, bah, j'avais envie de l'exprimer, donc je vais le laisser. Là, je vais aller me faire mon brushing. Je vais continuer mon programme de ma journée. Et on verra qui est qui maintenant. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas une... Mes poupettes, je suis pas une catin. Moi, je me respecte. Je respecte mes enfants. Je suis pas une catin. Donc, je vais rien faire. Je vais pas aller me prostituer. Je vais pas donner mes fesses. Je suis pas comme ça. Moi, je suis propre. Le prochain homme qui voudra me marier, je lui donne rien avant le mariage. Même si j'ai eu 2 enfants, même si je ne donne rien avant le mariage. Ne vous inquiétez pas. Par Allah, le Tout-Puissant. Que c'est terminé, que c'est terminé, que la gentille Kenza elle est terminée, et que là, vous allez voir un autre visage de moi. Parce que moi, ça c'est une dinguerie, ouais. Oh, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. En fait, j'ai mis cette petite combi Bershka. Bon, j'ai pris un 34. C'est vrai qu'elle me va un peu serrée, mais je l'aime trop, je la trouve trop belle. En fait, quand si vous mettez pas les cheveux derrière, je trouve que ça fait un peu vulgaire. Genre. Mais si vous les mettez, ça passe, franchement. Ça fait femme, ça fait joli. J'ai mis une petite talon compensée Bershka aussi, avec un petit sac. J'ai fait brushing, j'ai fait petit UV. Appelez-moi Teresa Mendoza. Bon mes poupettes, du coup là, je crois que je vous l'ai dit dans le snap d'avant, je me suis fait un petit brushing. On doit partir d'ici vers 19h. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, j'ai plus de voix, j'ai trop crié et je ne regrette pas du tout, ça m'a fait du bien et je me sens grave mieux. Ça m'a fait du bien de pleurer, sachez une chose. Et on voit que c'est vrai, retenez bien ce snap, c'était la dernière fois de ma vie que je pleurais pour un mec. Alors ça c'est vraiment, là j'ai pleuré de nerfs, de haine, ça s'est calmé, je suis apaisée. Plus jamais vous allez me voir chouiner. Maintenant on va de l'avant, on positive, on reprend confiance en soi. On apprend à se re-aimer, on se revalorise personnellement. Après, on verra pour la suite. Mais pour l'instant, c'est moi et moi. Donc, franchement, dans mes stories, genre, je suis pas moins naturelle, mais si je m'apprête plus et tout, vous savez que c'est parce que j'ai besoin, c'est ma thérapie. Donc voilà. Je vais les mettre à ma taille, cette fameuse montre, mes poupettes. Et après, on est bon. Ça y est mes poupettes, tout est prêt, tout est propre, c'est fini. Je filme pas à gauche parce qu'il y a ma tante et tout. Là c'était mon dernier petit sac, tout est prêt. Allez, on part maintenant, Yusra arrive avec son mari, ils vont nous prendre en van avec les enfants. On va charger tout, tout, tout. Là, c'est Anna, c'est qu'il va falloir dire au revoir à la maison. Tu veux dire au revoir ma vie? Dis au revoir, viens, on va dire au revoir à ta chambre, viens. Ok. Allez, viens, on va lui dire au revoir. Au revoir. Bah parce qu'on reviendra mais que pendant les vacances. Maintenant ta nouvelle maison elle est à Dubaï ma princesse. Oh, vous avez fait quand même le bazar avant de partir, ok. Bon. Ok bah dis au revoir. Au revoir quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? À bientôt, ma fille. Oh, je t'aime, ma fille. Ça va te manquer, ma fille? Oui, mon bébé. On dit au revoir. Tout va me manquer. Tout va te manquer? Oh, ma fille. T'as dit quoi? Tu veux faire quoi? Faire les poupées. Oh, ma vie. Un bisou à qui? Au revoir. Donc là, on va dire au revoir à la maison. Au revoir, la chambre. Au revoir, le lit. Je vais prendre ma photo.
Tu veux laquelle photo? Beaucoup de photos grosses. Je t'en ai pris plein des photos de nous, avec papa, maman, Calice. Et où Calice? Ça fait bizarre, hein. Je sais même pas s'il est petit. Parce qu'elle n'est pas ma dégaine, et peut-être je me suis changée. Parce que maman, c'est moi, c'était bébé. Il n'était pas là, Calice. Ouais, il n'était pas là, Calice, exactement. C'était bébé, exactement. Les enfants, ils viennent qu'à la Toussaint, et encore s'il y a des gènes. Donc, j'ai fait le chien pour refroidir, hein, vous savez, parce que j'ai trop profité dehors sans le faire refroidir, et finalement, il l'a gonflé. Donc, voilà, mes poupettes. C'est bizarre. Va falloir que vous dites au revoir à Toussaint. Au revoir, ma chambre. Ah, il y a mon bracelet, faut pas que je l'oublie. Au revoir, ma fameuse chambre. Elle va pas me manquer, elle, en l'occurrence. Elle va pas me manquer du tout. Je voulais juste vous donner un petit code, deux codes avant de partir, en fait, parce que ma vie, elle continue. Faut que je travaille pour mes enfants. Et c'est... Ça passe pas, en fait. Ça passe pas, parce que tout le temps je reçois des vidéos différentes, ça passe pas, c'est un gros coup de FDP, j'arrive pas, je suis désolée, j'arrive pas, c'est trop écœurant, pendant que je suis là avec mes enfants en train de mourir à la maison, en train de faire un déménagement. Pourquoi tu repères? Non, je pleure pas, ma fille. En train de faire un déménagement et tout, toute seule, clouer des valises toute seule, prendre les billets toute seule, les installer à l'étranger toute seule. Clochard est dans des chiches avec des vieilles pouilleuses là. Ah là là, c'est trop. Je suis désolée, hein, je vais regretter mes mots, mais. Voilà, c'est trop sale. Comme j'avais dit que c'était 3 mois. Alors la majorité des savants disent que c'est 3 mois. Mais il y a une autre partie des savants qui disent que c'est seulement 1 mois. Donc une menstrue. Je prie que je vais aller du côté des 1 mois. Donc là, on va se renseigner mieux que ça. Il m'a dit la majorité des savants, ils disent que c'est 3 mois. Et il y a une des savants aussi qui disent que c'est 1 mois. Donc là, je vais aller à Dubaï, je vais aller voir un juge islamique. S'il me dit c'est 1 mois, oh comment? Et s'il me dit c'est 1 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans 2 semaines là, c'est. Dans 2 semaines, je suis libérée, vous savez? Là, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez en vrai. Ok, il y a deux choses. Là, il y a mon ego de femme, parce que moi, tu m'humilies pas comme ça en fait. Parce que moi, c'est pas tu m'as eu, petite fleur qui venait d'éclore, qui sortait de son petit bac tranquille, toute fraîche. Ma mère m'a appris à cuisiner, à faire le ménage, à tout. Tu m'as. C'est une dinguerie, voilà. Tu m'as toute pimpante comme ça. Tu me souilles, tu me rouilles avec 2 enfants et tout. Que je regrette pas, je les aime à vie, mes enfants, mais ça. Après, tu vas avoir les petites minettes. Donc, il y a mon ego de malade, il y a plus mon ego et plus le respect des 3 mois. Le respect des 3 mois, ça fait mal. Par là que ça fait mal. Ça fait première chose, jusqu'à ce que je fasse le deuil, mais il faut vraiment que j'utilise à quel point. Ça, je veux vraiment prévenir les jeunes filles qui me suivent. Je vais vous dire un truc. Là, vous vous dites, ouais, le mec, il est au bout de sa vie et tout. Sachez que c'est que du cinéma. Je vais vous dire un truc. Par Allah, le Tout-Puissant, il est direction Marrakech avec ses vieux schlags de potes. Là, à l'heure où je vous parle, c'est même pas le mec qui s'est dit, mes enfants, ils partent à Dubaï, ils déménagent. Je vais aller les voir, je vais leur dire au revoir. Je vais aller faire les valises avec elle, je vais l'aider. Gros pouilleux qui va à Marrakech comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. C'est un truc qui me débecte en fait. Je me dis mais on est où? On est où? Oh là, on est où? Bref, choisissez bien vos maris. Je vous ai toujours dit, choisissez bien vos maris. Prenez pas celui que vous aimez. Prenez celui qui sera un bon mari et un bon père, d'accord? Et ça, pour ça, on se marie pas au bout de 6 mois, d'accord? On prend du temps d'apprendre à connaître la personne, parce que c'est les risques à prendre. Vous voyez, je me suis mariée au bout de 6 mois, regardez ce que je suis devenue. Et c'est les risques. Donc, on prend son temps, on réfléchit, on se pose 5 minutes.